Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Ce matin, spot éducatif, du confort de mon bureau à domicile. Il me passe une idée, je voulais vous partager une situation qui m'est arrivée hier. Je liste un nouveau produit, on embarque un nouveau produit sur le marché, 259 000, super beau, super agressif comme prix. Bref, on a déjà 18 visites de bouquet, puis les visites commencent demain. T'sais, ça vous donne à peu près une idée de la folie du marché et de l'agressivité à laquelle on a mis le produit. Puis quand c'est clean, ça sort en bon français. Un client m'appelle direct, mais non un interagence. Autrement dit, il m'appelle sur la publicité que je fais, etc. Il me dit « Oui, ça m'intéresse de visiter, je suis pas pré-approuvé. Par contre, j'ai vendu ma propriété assez cher que je pourrais potentiellement payer cash votre produit à 259 000. » OK. Là, j'ai bien vu que, évidemment, il ne m'avait pas appelé via un courtier, alors pas de préautorisation de fait. Je commence à jaser un petit peu avec, etc. Puis il me dit j'ai vendu pour le 1er juin. Fait que là, j'y propose la visite et en même temps, peut-être, les services d'un courtier pour l'encadrer à l'achat. Parce que même s'il vient visiter mon produit puis il dépose une offre d'achat, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va l'avoir. Pensant bien faire, vendre par soi-même, etc., on a mis une prise de possession 1er juin. On est le 16 mars ce matin. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, ça fait 3 ans qu'on roule en innocent. On va le dire comme ça, là, au niveau du marché immobilier, ça roule trop vite. Je commence à avoir une petite gouttelette de sueur pour mes clients qui n'ont pas encore trouvé pour le 1er juin. Puis le client ne voulait pas les services d'un courtier à l'achat parce qu'il dit « Ah, je suis autonome, je magasine sur Centris, sur du proprio, j'ai vendu plusieurs fois, soit avec un courtier, avec du proprio. » Tu sais, il était comme chambranlant à gauche et à droite. « Faites attention. » J'ai demandé s'il y avait un plan B, puis il me dit « Non, non, j'ai pas de plan B, moi là, il faut que j'aille trouver une propriété pour au plus tard le 1er juin. » Comme jouer au golf quand on va au champ de tir, prends un panier de balles puis mets à taper, mets-toi dans claquer le plus que tu peux parce que, je te le dis, c'est pas parce que t'as vu une belle maison que c'est la tienne. Première des choses, faut que la belle maison sorte. La deuxième chose, faut que tu sois capable de la visiter s'il reste encore de la plage horaire et de la disponibilité. Troisième des choses, les maisons qui sortent en sauvage, si on peut le dire comme ça, c'est les belles maisons. Qui court après une lette maison? Non, tout le monde court après une belle maison. Alors, le client va vite réaliser que ça prend les services d'un courtier puis il va peut-être manger de l'argent en cours de route en étant obligé d'aller en condo locatif ou en maison locative parce que c'est pas vrai, ou il va se ramasser avec la moins pire des pires maisons parce qu'il est à la rue pour le 1er juin, il a vendu sa propriété avec une prise de possession trop serrée, pensant de sauver la colline de commission à défaut de dire d'autres choses. Ben à ce moment-là, il s'est mis un petit peu dans l'embarras et dans l'eau chaude. La prise de possession est un petit peu serrée. À faire attention, si vous voulez vendre et acheter en toute sécurité, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier. Pour Via Capital, on va mettre une prise de possession adéquate à votre produit. Souvent, on est au début janvier et on voit prise de possession 1er juillet, prise de possession 1er septembre, devançable au besoin. Le courtier le sait que c'est un zoo là-bas sur le terrain, alors ça met plus de temps pour magasiner une propriété avec son client. Si je vends une propriété demain matin avec prise de possession du 1er juillet, 1er juin, hey, c'est dans un mois et demi le 1er juin, deux mois à peu près, là. C'est pas beaucoup de temps pour un inventaire extrêmement basse pour la ville de Québec. Alors faites attention à ça pour acheter et vendre en toute sécurité avec des délais raisonnables et pas être obligé de prendre la moins pire des pires maisons parce que je suis à la rue pour une date butoir. Appelez-moi. Toujours pour la même agence. Depuis 15 dernières années, Via Capital, 418-627-3333, 418-627-3333.